Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, malgré les apparences. Oui, je suis fatiguée, mais je ne suis pas maquillée. Je sors de la douche, j'avais même pas le temps de faire mes plaques et tout. Je me suis dit, je fume comme ça parce que je suis comme ça. On adore ou pas, mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour un haul Shein, au haul spécial femme d'intérieur. Donc, je vous ai dit plusieurs fois, faites attention à comment vous déambulez chez vous. Il y a des tenues sympas, que ce soit chez H&M, j'aime beaucoup. Chez Shein, bah, c'est pas cher et ça la porte tous. Et c'est franchement, ça va, ils livrent assez rapidement. Me faites pas tout un foin avec les Ouïghours et les je ne sais quoi. On est tous le Ouïghour de quelqu'un, les amis. Bien sûr que oui, la Chine et machin. Je pense que le téléphone avec lequel tu es en train de me regarder ou ta télé, elle vient d'où? Voilà. Oui, c'est pas... Oui, écoutez. Ok. Bref, du coup, je vais vous montrer un petit peu, moi, des tenues que je m'achète pour tous les jours. Que ce soit pyjama, etc. Et donc là, j'ai fait une petite sélection. Mes coachés d'amour, je pense que vous reconnaîtrez ces tenues-là parce que vous savez que on s'est pas présenté, mince. Linda, femme d'intérieur d'extérieur, bonjour. Oui, je suis aussi analyste comportementale à mes heures perdues et je suis coach de vie. Donc, je vous suggère tout le temps, je vous mets des petits screens, je vous mets tout ça, des liens et tout vers, par exemple, certains sites. Je vous dis, tiens, tu devrais acheter ci, tu devrais acheter ça. Tu prends plus soin de toi, fais attention à comment tu t'habilles. Le Omni, le Bailo Kitty, on n'adore pas du tout. Il faut être polyvalent, tu vois ce que je veux dire, justement, avec des accessoires, ouais, je vais vous montrer ce que j'achète, d'accord? Je ne vais pas essayer. Sachez que j'ai essayé tout le temps, mais là, je vais vous dire une chose. Je vais crever, ok? Donc, franchement, je pense que vous me pardonnerez. Mais de toute façon, je vous mets les liens en barre d'information si je peux et si je veux, ouais. Ou vous verrez peut-être dans la miniature ou je ne sais pas, il y aura quelque chose. Bref, du coup, les accessoires primordiales. Voilà. Je me suis pris des petites boucles d'oreilles comme ça. Elles sont trop mignonnes. Franchement, ça change, je vous jure. Je vous dis toujours, il faut se brushinguer, se stringuer, se parfumer, mais s'accessoiriser également. Ils sont sympas, hein. Bon, ça, c'est du prêt-à-jeter, tu vois. Fast fashion, on adore ou pas. Je sais qu'on adore pas trop, mais franchement, ça rend service. Ça change un peu de look, tu vois. Donc, j'ai pris un lot de boucles. Regardez, elles sont jolies, hein. Celles-là, j'aime beaucoup, avec les perles, là, comme ça. Tu vois, pour changer, quoi. Je vous ai dit, prenez soin de vous et on vous regardera et on prendra soin de toi. C'est accessoirisé. Des petites conneries, des petites babioles, mais tu vois, par exemple, j'aime beaucoup le orange en ce moment. Hop. Je ne sais pas si ça rendra justice, mais c'est un joli orange. Il y a plein d'accessoires. Hein. Donc, je vais essayer de finir les accessoires. Ah, ma papier aussi, elle est dans la salle de ma faudra que je la prenne. Regardez cette petite paire de boucles. Très sympathique, non? Comment on l'ouvre? Oh, ça va me gonfler, ça s'ouvre pas ce truc. Ah si, c'est là. Enfin, pour moi. Autant vous dire que je fais pas de... Voilà, j'aurais pu faire un live, ça aurait été mieux. Regarde. C'est sympa, non? On adore. Tout ça, c'est pas cher. Hein. Je me suis pris un petit... ça, je me vois bien avec un petit kimono noir, tu vois. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Par contre, j'aime pas trop le système... du bled derrière, tu vois. C'est un nœud. Tu vois. Je mets ça comme ça avec le nœud derrière, on adore ou pas. Ça fait très élégance, très raffinement. Ça change, il faut choquer. Hein. Il faut être multicarte et multitâche. Du coup, vous allez voir, il y a tous les goûts. Hein. Tous les goûts et tous les styles. Regardez cette paire de boucles d'oreilles. J'ai beaucoup aimé également. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Et ça favorise la qualité et l'usure, ceci, cela. Écoutez-moi, c'est pareil que H&M, c'est pareil que partout. On adore ou pas. Vous vous rappelez quand j'avais fait un haul Zara, là, les vestes que j'ai payées 60 euros, les vestes que j'ai payées 50 euros, elles avaient tout un défaut. Hein. Regarde, là, je me suis pris un lot de bracelets en jonque. Comme ça, quand je partirai en vacances, tu vois ça, je laisserai à la banque en or et je prendrai du toc. On adore ou pas. C'est sympa, non? T'en as plusieurs. Bon, t'as capté le délire. Hein. Ah, il y a des imitations Cartier, on adore ou pas? Non, c'est écrit Love. Tu vois? Bon, c'est une vibe, on aime bien. Moi, perso, j'aime bien avoir des petites joies, les petits accessoires. En fait, c'est les petits trucs qui font la différence. Hein. Bon, là, on est sur des accessoires, ça t'enlève? Bon, on va continuer. On va passer sur du concret, alors. Par contre, j'ai mal au fion.
Oh là là, les poids, regardez ce que j'ai. J'arrive même pas à les porter, mais comment il fait pour faire du sport avec ça? Oh, c'est horrible. Oh my god. Bon, concrètement, j'ai pris une robe, elle est magnifique. Magnifique, 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 elle est fantastique. C'est une robe longue, donc que t'es le hijab, que t'es pas le hijab, tu vas kiffer. En fait, c'est une robe longue, très 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 près du corps, c'est-à-dire qu'elle serre, elle serre, on adore. Et elle serre jusqu'au pied, tu vois le truc ou pas? Longue, comme ça, orange. Et elle serre jusqu'au bout, hein. On adore ou pas? Alors ça, vous me verrez avec sur Instagram, c'est pour ça que j'ai pris des accessoires orange. On adore ou pas? Tu veux savoir s'il y a une fente? Il n'y a pas de fente. Il n'y a pas de fente, on adore. Regarde, jusqu'au bout, elle est longue et elle est serrée. Moi, j'ai pris du taille M. Je ne vais pas essayer, mes amours, parce que je vous jure, j'ai la flemme. Ouais, la flemme. Si j'aurais pas la flemme, je me serais maquillée. En fait, là, c'est parce que je me suis lavée et j'ai mis de l'acide hyaluronique pur sur mon visage. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me dire, Linda, c'est quoi ta crème? Allez chez un pharmacien. Vous leur demandez de l'acide hyaluronique pur. Et moi, je m'en tartine la gueule. Tu vois, là. Ça c'est bien imprégné. Bref, elle est pas trop chou, elle est pas trop belle. On adore. Longue comme ça. Il y avait plein de couleurs. Il y avait du bleu. Malheureusement, bleu, il n'y avait plus ma taille. Ça, franchement, je valide. Je valide, je valide. Donc, après, j'ai pris... Alors ça, ça par exemple, à la maison, t'es au max. Tu déambules là-dedans, t'es serré, ton boule, il est chamboule avec ça. Ça, c'est le béaba. C'est-à-dire que ça, surtout si ton mec il a snap, s'il regarde vite fait, Mounir et les apprentis aventuriers et tout, là, il te faut un ensemble comme ça. Un ensemble de sport. Tu fais pas de sport, mais qui t'a dit de faire du sport avec un ensemble de sport? Avouez qu'on adore faire rien dans des ensembles de sport. Regardez. Ça, c'est très télé-réalité, quoi, quand ils font leurs épreuves ou même pas. Hein. Tu vois, il y a une petite coque, donc c'est la petite brassière comme ça, où tu peux faire du sport avec. Il y a une petite mousse, hein, petite, là. Tu peux t'en mettre. Écoute, si tu as envie de charger ça un peu plus, tu peux toujours te rajouter des trucs dedans. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Attends. Tiens-toi prête, regarde-moi. Regarde-moi ça. Tu vois? C'est-à-dire que ça, ça fait un boule parfait. Un boule parfait. Non, ça fait pas bizarre, hein, mais ça fait vraiment le boule parfait. Ça fait un effet strings. Ça te string le fion sans que tu en aies besoin. Moi, personnellement, j'aime pas les strings. Je vous ai dit, j'aime les tangas et tout. Et la couleur, elle est magnifique. Je dirais même qu'elle est magnifique et maléfique. Bon, imaginez-vous ma gueule avec voilà, un peu d'anti-cerne, maquillée, avec un brushing, accessoirisé et ça. De toute façon, imaginez-vous pas, rejoignez-moi juste sur Instagram hein, et je vous l'essaye. On adore ou pas? Il y a toutes les couleurs, mais cette couleur-là, je vous dis la vérité, ça passe crème. Avec un teint un peu allé ou pas, ça sur les blondes ou sur les brunes, on adore. On valide ou pas? Dites-moi la vérité. Bon, hop, mettons ça là-bas. Ça, je vous ai dit pour la maison. Hein. Pareil que ça. Ça, pour la maison, c'est top. Pareil, c'est un ensemble de sport. Regarde. Brassière qui est un peu plus courte comme ça. Toujours la même matière. La matière, elle est formidable. J'ai pris du taille M, perso. Pour que ça me gaine bien. On se saucissonne, ou pas. Regardez la couleur, ça, quand je serai bronzée. On va adorer ou pas, bien sûr que oui. Avec short. Tu vois. Un short montant, gainant. Pour le kirsch. Si t'as un peu de bidoche comme moi, écoute. Hein, ça sera pas du luxe pour nous. Hein. On adore ou pas. Bien sûr que oui. Et je crois que l'ensemble, le bleu, il m'a coûté dans les 20 balles. Et ça, c'est pareil, hein, je crois. Hein. Ouais. Écoute. Hein. Franchement, on adore. Hein. C'est des ensembles que vous retrouvez H&M pour 3 fois plus cher, autant vous le dire. Voilà donc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Pyjama. Faites attention à vos pyjamas. Bon, vous pouvez mettre des petits trucs en coton, genre comme ça, tu vois, c'est mignon. Mais de temps en temps, ils vous font un pyjama de... Ça, c'est imitation un petit peu Victoria's Secret, tu vois. Je vais vous montrer. Bon, tu vas me dire qu'il était en solde chez Victoria's Secret, mais il fait quand même 200 balles. Hein. Tu vois. Puis franchement, la qualité est quand même là. Hein. Manche courte parce que c'est l'été. Avec le pantalon, c'est pas un short. Tu vois, ton mari te voit comme ça, prendre ton petit rahoua le matin. Tu vois, là-dedans, c'est mieux, quoi. Avoue que c'est quand même mieux que ton pyjama lugubre. C'est des petits détails. Et encore une fois, vous allez me dire, moi, je préfère rester célibataire, que je sais pas quoi.
Il y en a, elles m'ont fait un flan, un machin. En plus, c'était des commentaires aigris. Mon Dieu, j'aimerais pas vivre avec vous, je vous dis la vérité. Parce que vous savez que je suis analyste comportementale à mes heures perdues. Hein. Mes heures perdues et même mes organismes. C'est-à-dire que, oulala, j'ai capté que tu rageais un peu, quoi. Je te jure. Il y en a une, elle m'a dit, moi, je suis pas une esclave. Vous foutez pas la gueule avec, avec ce mot, hein, parce que esclave, c'est un mot dur. Et puis, je suis sûre que t'es encore là, parce que malgré que t'aimes pas trop, tu restes quand même tous les jours. On adore ou pas hein. Écoute, fais ce que tu veux. Mais venez pas me casser les clairs aussi. Hein. Ah oui, j'ai pris des petites sandales comme ça. On dirait ta hammé, mais on adore ou pas hein. En plastique. Hein. Avec des. Est-ce que je vous montre mes pieds? Je vous les essaye. Pas trop de vous montrer mes pieds parce que je vous dis la vérité. Ils ont un souci de. J'ai les pieds palmés. On adore ou pas? Allez, au point où on en est, acceptons-nous comme on est. Oh. On adore ou pas? Mais bien sûr que oui. Par contre, il faut vraiment que je bronze, moi, je te jure. Donc ça, aussi, on fait un peu de rab. J'ai des trucs qui sont pas de femme d'intérieur à l'extérieur. Enfin, plutôt d'extérieur que d'intérieur, en tout cas. Mais regarde, avec mes petites robes oranges, on s'accessoirise. Deux, trois petits accessoires, ça, c'est important. C'est important. Même si t'es pas le genre de meuf qui se maquille beaucoup, on te demande pas de te maquiller beaucoup. On te dit juste que si t'es belle, reste comme t'es. Si t'as des soucis, si t'as des cernes, si t'as une peau chelou, maquille-toi, ma soeur. Maquille-toi, je te jure. Avec Kiko, avec Sephora, avec... T'as pas besoin de taper dans du Dior ou dans du MAC, tu vois. Voilà, j'ai pris ça. Des petites pinces aussi, comme ça. Après, il faut renouveler, hein, je vous ai dit. Il faut renouveler les accessoires. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, on passe dans une vibes un peu plus pour dehors. Bah, c'est un haul. Hein. Mais je vous ai dit, c'était pour vous inspirer, parce que vous m'avez dit, Linda, tu ne nous as pas fait les tenues de femmes d'intérieur et tout. Voilà. Voilà les tenues. Tenues de sport. Petit pyjama en soie. Robe longue. Élégante. D'ailleurs, j'en avais une deuxième. Marron, elle est pas très longue. Je n'adore pas du tout. Allez là. Vous avez vu la robe orange? La robe orange, je l'ai trouvée la même en marron. Figurez-vous que elle me fait penser à une robe. Mais on dirait que c'est un peu moigné par contre. Bizarre. Bref, j'ai pris la même en marron. Elle me fait penser à une robe marron qui était un peu plus terre que marron. Et qui m'allait comme un gant. Je faisais TB avec. Et qui avait une copine qui m'a dit, Linda, je te l'achète 400 francs. 400 francs suisses. Elle m'a dit, tu me la donnes. Je l'avais pas lavé, hein. Je l'ai vendu 400 francs suisses, je me suis dit le lendemain je vais y retourner. Elle venait d'H&M la robe. Je l'avais payé 60 francs. Je suis retournée, elle n'y était plus. J'étais dégoûtée. Je me suis dit en fait elle les valait les 400 francs, je te jure. Toute simple elle était. Hein. Bon, elle était, c'était une robe midi hein, au niveau du genou. Mais ça j'adore. Robe longue, c'est élégant robe longue. On adore ou pas, bien sûr que oui. Les petits ensembles de sport comme ça pour rester à la maison, c'est bien. Les petits pyjamas chez Chine, il y en a plein des pyjamas. T'as vu là, je vous ai sorti celui-là. Il y en a plein, 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 plein. Je te jure. Vous savez que moi, j'aime bien les pyjamas un peu satinés. Bon, en soie de préférence, tu vois, en soie de mûrier. Mais écoutez, pour changer un petit peu, on ne peut pas acheter 150 000 de pyjamas de soie de mûrier. Pourquoi pas, Inch'Allah. Bref, oh, sinon, ça, c'est plus pour dehors. Hein. Là, on va rentrer dans le femme d'extérieur. Regarde. Une petite robe à la Brigitte Bardot. J'adore. C'est une robe un peu midi. Hein. Elle n'est pas très très courte, pas très longue. On adore, elle est parfaite. Elle est belle, hein. C'est pas du noir, ça, c'est du bleu marine. Vous m'imaginez, moi, là-dedans, avec des boucles et un vernis à ongles rouge. On adore ou pas? Ou des chaussures rouges. Ou les deux. J'adore. Je suis fan. Et je l'ai payé dans les 10 balles. Hein. Franchement, faites-moi la morale, faites tout ce que vous voulez. Je m'en tape à un point, mais franchement... Linda, je suis déçue, je t'imaginais pas comme ça, je me désabonne. Je te jure, les hypocrites comme ça du dimanche. Regardez, après cette robe-là, j'ai été déçue, par contre, je vous dis la vérité. C'est une robe portefeuille. Client. Chihéda. Osprit chouffi, deux secondes. Nargle fizzbou, bâton. On dirait une nappe, l'histoire, là. Elle est belle, hein. La couleur est belle, les imprimés sont beaux, mais le truc, on dirait une nappe. Je sais pas. Je pense qu'ils ont négocié leur tissu tellement pas cher qu'ils se sont fait escroquer. Et après, ils se sont dit, bon, bah, why not, quoi. Tu vois. J'ai envie de vous dire, regardez, vous suivez Vogue, vous, sur... J'ai une follow, hein, Vogue.
Je suis Vogue sur Instagram, là. Quand je vois la mode des plaids, autant vous dire que cet hiver, on aura tous un plaid, on va sortir de chez nous, ça va nous faire des économies. Bon, regarde. Tu vois? Mais c'est mignon quand même, après, peut-être plus pour, je sais pas, ça doit sécher rapidement. Peut-être plus pour la plage. Il y a eu un bug, il y a eu quoi? Voilà, donc j'ai pris aussi ça, un petit foulard. On va dire, on parle bien sûr, mais... Bon, j'ai pas de cabriolet, mais je me suis dit qu'un petit foulard, ça peut toujours servir. Hein. Voilà, j'ai un autre colis que je n'ai pas ouvert, en plus, que j'ai reçu tout à l'heure. De chez Shein, encore une fois. Je sais pas si je pourrais tout vous mettre en barre d'infos ou machin, mais j'ai la vérité. Pour un peu le... On verra. Je vous promets rien. J'ai pas le temps en ce moment, je vais m'excuser. Hein. Client. J'aurais dû prendre des ciseaux. Hein. La meuf, elle était pas mal. En fait, j'aurais dû vous prendre en live. Mais demain, on est samedi, enfin, alors où je tourne la vidéo. Et comme le samedi, je fais des lives, je vais pas faire 50 000 lives. Hein. Sinon, je vais faire de la concurrence à Jihlu, on adore ou pas, on adore pas du tout. Shehed, hein. C'est un jean, un short en jean. Il est lourd. Fil carne. On adore ou pas? On dirait Shkara Khoich. Ça c'est le... Je sais pas s'il est super. Ça c'est le genre de short en jean qui te fait une maxi touche. On adore ou pas? Écoutez, affaire à suivre. Hein, il est... En tout cas, il est comme la description. J'ai pris du L ou du L. Tabarkala, heureusement que j'ai des formes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est un maillot de bain. Attends, regarde, ça, je l'ai payé 5,50€. Ça, avec le short, très fan d'élégance. Les marinières, comme ça. Sachez qu'en rayures, vous ne serez jamais une robe à rayures, un haut à rayures, peu importe. Là, durant l'été, ça, c'est top. Hein. Des rayures comme ça, bleu marine ou noir. Regardez avec le petit cœur. Ça me fait penser à Moschino Love, non? On adore ou pas? Moi, j'avoue que j'adore. Hop. Donc, je mets ça là-bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Maillot de bain. Tous mes maillots ne me vont plus. En fait, c'est pas qu'ils me vont plus, ils me sont jamais allés. En fait, ils ne me vont pas avec ma morphologie. Donc, j'ai commandé des maillots en espérant que c'est ce à quoi je m'attends. Voyons voir. Ah, ça va. Ça va. Tu vois, je veux que ça monte quand même. Et je veux pas que ce soit trop... Parce que moi, avant, je me baladais en string. Maintenant, mes filles, elles ont grandi. C'est même pas ça, tu vois, mais petit à petit. Prochaine étape, le maillot une pièce, quoi. Avec le pareo. Petit à petit, on va pas se frustrer. Hein. Regardez, il n'est pas trop beau. Du orange. C'est orange fléau. Hein. Orange fluo. Car comme c'est beau. Après, je t'avoue que là, par contre, la trace de maillot, elle va être suspecte. Hein. On adore ou pas? J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On adore ou pas? Moi, j'aime bien, écoutez. Hein. J'aime bien. Dites-moi, il y avait plein de tailles. Et ce qui est cool, c'est que c'est réglable, là, tu vois. Si tu as un problème avec tes épaules et tout, tu peux régler. On adore ou pas? Bien sûr que oui. J'adore. Je pense qu'il va bien m'aller. Et puis, il monte bien en... Genre, tu vois, il finit au nombril. Parce que moi, j'ai quand même du ventre un peu en bas. Puis, ça n'est pas stringé, mais ça fait un peu échancré devant. Du coup, tu as vu? Petite astuce. Si vous avez des grosses cuisses comme moi, prenez un échancrage. Et si vous faites 1m60 ou moins pour allonger votre silhouette, échancrez. Comme ça, ça vous fait des plus longues jambes. Tu vois le bail? Parce que si le truc il aurait fini là, ça te raccourcit tes jambes. C'est des petites astuces de naine. Hein. Bon, mes hommages à toutes les naines qui vont me suivre. À chaque fois que je dis un truc, de toute façon, vous trouvez toujours quelque chose de mal. Donc moi, j'arrête de me fatiguer. Deuxième maillot. J'adore le vert. Ah, ça, c'est la couleur de ma soeur Nora. Elle va aimer. Regarde. Il est trop beau ou pas? Nadjor, attends. Attends que je te l'attache. On dirait que je suis en train de l'attacher à ton dos, on adore ou pas? Ça, c'est adorable, ça. Regarde. Il est réglable en plus aussi, les bretelles. Il y a une petite coque. Si t'as pas de bzazou, là. Ça. Est-ce que ça sera ma taille? Ça sera pile poil ma taille, on adore. Voyons voir la culotte maintenant, c'est ça le verdict. Ouh là là, on dirait une maxi culotte. Rouille, tu en dirais. Ouh, elle a pas la chute. Client, mais c'est quelle taille? Dis-moi pas que j'ai pris du L, frère. J'ai pris du L.
Punaise. À moins que je me voie maigre dans ma tête, parce que des fois, je fais des dénis. Non, ça, c'est du L. Oui, ça va. Mais ce L-là, rien. Regardez. Il est plus grand, l'autre. Vous voyez ou pas? J'espère que ça va aller, hein, parce que l'échancrage est pas mal et tout, j'aime beaucoup. Il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen que je finisse comme Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion quand il a plongé dans la piscine et qu'il était à l'hôtel Plaza, je crois que c'est ça. Alors ou pas? Si vous avez la ref. Bon, on a enfilé avec une paire de chaussures du coup de chez Shein et que j'avais vu chez Zara. Il n'y avait pas ma taille. Bah écoute, je les ai trouvées chez Shein à moins, beaucoup moins cher. Adore ou pas? Bien sûr que oui. Alors moi, merci à tous ceux qui se prennent en photo et qui mettent sur le site. J'ai pris en coloris comme ça. J'adore ou pas? Du coup, j'ai pris plus grand. Ils ont dit ça taille petit. J'ai pris plus grand. Essayons de voir. Ouais, bof. Je pense que si j'aurais pris ma taille, ça aurait été bon aussi. Hein. Je vous jure. Elles sont sympas, non? Dites-moi si vous les avez vues chez Zara, ça prouve que vous les avez déjà chez vous. En tout cas, ça sent pas mauvais. Hein. On adore. Hein. Moi, j'ai fait des bonnes affaires. Dites-vous que là, tout ce que je vous ai montré, il y a ma. Non, ma rabat-pied, j'ai pris chez Beauté Privée. Est-ce que c'est tout? Oui. J'en ai pour 150 euros. On adore ou pas? Bien sûr que oui. N'oubliez pas d'utiliser les codes promo qui vont mettre de part et d'autre. Moi, j'avais un code promo, moins 20% supplémentaire. C'est pour ça que je l'ai mis. Vous avez Poulpeo aussi. T'as vu, je t'ai mis un lien en bas. Si tu t'inscris, je crois que tu as 5 euros grâce à moi. Et après, tu as un cashback. Écoute, ça mange pas de pain. Hein. Chaque économie est bonne à prendre. Mais il faut renouveler de temps en temps. Je vous ai dit, je suis un peu minimaliste, un peu de plus en moins. De plus en moins, ouais. Écoute, hein, vous avez capté. Mais de temps en temps, il faut renouveler un peu ces trucs. Hein. Il faut un peu changer un peu le champ de vision, quoi. Tu vois le truc ou pas? Écoutez, moi, je vous laisse. Il faut que je range tout ça maintenant. On n'adore pas du tout. Je me retrouve avec plein de plastique. Bon, je vais les recycler. C'est toujours mieux que rien. Dites-moi pas que l'écologie, l'économie, je sais pas quoi, mes amours. S'il vous plaît. J'espère pas que vous êtes bêtes ici. Non, vraiment. Parce que si on parle d'écologie, 30% de la bouffe que l'on produit, elle passe à la poubelle, mes amours. Pense déjà à finir tes assiettes. Hein? Fais attention à ce que tu jettes dans ta. Enfin, bref. Analyse-toi avant de m'analyser à moi. Moi, je vous embrasse, en tout cas, je vous laisse. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, c'est à la bonne franquette. Je sais quand vous aimez bien quand j'essaye, mais je j'ai pas réussi. Flemmardisation, je vous jure. Moi, je t'embrasse. Tu prends soin de toi, c'est vrai? Dites-moi ce que tu as préféré. Voilà ce que tu veux commander. Sache qu'ils m'envoient rien de gratuit. Ils m'ont toujours pas calculé chez eux, ils m'ont jamais rien envoyé quoi que ce soit, ils m'ont jamais rien proposé. On adore ou pas? Pourquoi pas? Moi, je vous embrasse en tout cas. Ok? Tu prends soin de toi, tu t'hydrates, et puis je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, tu ne te laisses pas faire et t'actives la cloche de notification et tu t'abonnes. Non, mais c'est quoi ça? C'est gratuit? Vous attendez quoi demain, après-demain? MDR. MDR. Allez, bisous.